Ok, donc l'idée, c'est d'aider ce bon à rien à se racheter une conscience. Effectivement. J'aide les gens à s'accepter comme ils sont, à comprendre leur passé et le merveilleux chemin parcouru. Alors, c'est très joliment formulé, mais vous êtes au courant du spécimen ou... Ah, mais c'est bip bip! C'est moi qui visais cet enculé. Ah bah, pour sa défense, c'est elle qui a commencé. Oh, j'ai démonté ses roues de fauteuil parce qu'il m'avait fait un coup de crasse au préalable. Putain, ça mérite pas une bastos dans le coffret quand même. Chacun sa vision des choses. Elle a son avis, il a le sien. Oh, de Dieu! Oh! Ça va pas mieux! Désolé, je crois que c'était Gérard Holtz. Pas du tout, je suis chirurgien viscéral et digestif au point du jour. Vous ne m'avez pas parlé de votre mère. Ah bah, vous pouvez pas mieux tomber, elle doit passer tout à l'heure. Elle mange du 4 quarts à Noël, hein, si ça peut vous donner la température. Madame a des goûts de luxe. Rillettes de canard au petit matin, ça fait pas avancer la politesse. Intéressant. Continuez. Continuez quoi? Et voilà mes petites dames. Là, c'est pas du cinéma. Donc, c'est pas la rue Verlan surtout, hein. Qu'est-ce que c'est que ce poison, là? Nick Gilles. Il y a de l'alcool dedans, tout ce qu'on lui demande. Ah, oh, putain. C'est les journées qui sont longues. Oh, putain! Qu'est-ce que c'est? Mais non, maman, c'est pas Gérard Holtz. Pourquoi Gérard Holtz? Oh, non. Alors, Gérard Holtz... Non, non. Il nous a mis les glandes. Non.